Hop, la chauve-souris, elle est là-bas. La relique, elle est revenue déjà. Ça repop vite, hein, quand même. Super. Un Lego. Alors, attends, par où la sortie, par là. Ok. Je sais pas, j'ai... 20h30, je pense. Qui c'est? Au plus tard, sinon 20h. À peu près, Mr. Groot. Je trouve les Wyvern trop pris. Ouais, elles sont vachement belles, NS Killer, ouais. Tout à fait, ouais. Oui, c'est ça, la Brood Alpha, Mr. Groot, dimanche. Ouais. Ouais, c'est injouable, oui, pour les deux personnes, ouais, ouais. Ah ouais, non, c'est un... Non, on a essayé, hein. J'ai dit non, 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 c'est pas bon. C'est à se dégoûter de Ark, hein, quand même. Hein. Ah ouais, je sais pas s'il y a un autre jeu qui fait ça, mais c'est la première fois que je voyais ça. Hein. Jouer à deux, mais il fallait être rester proche. Comme si on avait un élastique. Ah ouais, non, c'est... Ça craignos, ça. Donc là, c'est quand même mieux en privé, pas tout. Voilà, bah, ce qu'elle a à faire, moi, je fais ce que j'ai à faire, Nicorse aussi. Voilà, on est vraiment beaucoup plus libre. Il hein. n'y a pas photo, hein. Ok, bon bah là c'est bon, c'est nickel, on va ressortir la Wii. Ouais c'est vrai, ils ont de belles couleurs les Wyvern tropicales, hein. Bah c'est pas tout qui a été recherché. Hein. Ouais, dimanche c'est le grand jour, hein. C'est la première alpha araignée qu'on va faire, puisque j'ai dit tant que je perds des dinos en bêta, je n'attaquerai pas l'alpha. Et la dernière fois qu'on l'a fait, hein, si vous avez vu la vidéo, un Procoptodon avec Patou et Nicors fusil mythique de précision. 16 Megatherium et un Yuti. Voilà. Et on n'a eu aucune perte. Avec des selles légendaires sur les Megatherium. Donc je me suis dit on est prêt pour on se prépare pour l'alpha, c'est bon. Donc on fera l'alpha juste à temps qu'on l'aura, on ne retournera pas sur la bêta. La bêta ça y est c'est mort, c'est fini, terminé, on n'en parle plus. Donc c'est pas mal quand même ça. Ça c'est une cristal, hein, celle que tu m'as offert là. C'est ouais c'est une cristalline. Hein. On a que de la cristalline à part deux, je crois que c'est une blood. C'est tropical. Tropical, ouais. Amber. Ah, le feu, d'accord. On a des feux, de blood, il nous manque la poison. Non, mais on l'a pas, quoi. Ah, le spino, j'avais trouvé par là. Pour celui-là qui m'a demandé tout à l'heure. Je crois que c'est Mr. Root. Il était par là, le spino. Donc tu vois, je suis pas loin de l'aube rouge, hein. L'aube rouge et la forêt rouge. Bah, il est l'heure, hein, mais. Oh. C'est deux fois la semaine, hein, maintenant, moi. C'est plus 7 sur 7, hein. C'est 2 sur 7. Et... Allez, prendre le médoc, hein. Il y a un spot de spino par ici. Ouais, je savais qu'il y avait un spot de spino, mais plus vers la flotte. Moins vers le marais. Et c'est vrai, il y a un spino par ici, il y a un autre spino vers des castors aussi. Et puis vers l'intérieur, là où il y a des rivières aussi. Hein. Je crois qu'il y a trois spots de spino. Ouais, hein, autour du hub vert, voilà, c'est ça, ouais. Mais on n'avait plus rien, franchement, on n'avait plus rien. Ah, tu t'en vas, Conrad? Bon, bah, bonne soirée, merci de ton passage, hein, super sympa. Hein. Ah, Mr. Wood, voilà une chose qui est bonne. Ah, j'ai du soutien. Nickel. Bon, bah, j'y vais alors. Faut que j'y aille. Hein. Joe. Faut que j'y aille, Joe. Bon, on va faire vite, hein, parce que j'aime pas vous faire voir mes vidéos, je suis pas là. Ça fait vide. C'est dommage, ouais. Bon, ouais, on va pas insister. Hein? Non, mais j'y vais, j'ai soif. Non, mais. Il y a de l'eau, ouais. Allez, à tout de suite, hein, j'arrive.
pas qu'il y a les audios en plus. La dernière fois, je te l'ai dit, il y a une semaine, je crois. C'est du déjà vécu, ce que je viens de te dire. Hop. Allez, impeccable bien. Nickel chrome. Hop là. Bon, bah, c'est cool. Vite, il va refroidir. Qu'est-ce qu'il va refroidir? Ah, moi, je vais refroidir. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Mon verre d'eau. Ah, j'étais chaud aux patates, là. Et puis voilà, tu vois, maintenant, je suis... Voilà. Faut que je me remette dans le jeu. Faut que je me réchauffe. Une selle de Pachylésololus. Ok, super. Bon, bon là, voilà. J'ai 4 artefacts nickel. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que vous avez une idée? Pas trop dur, hein, attention. Un petit tuto sur quelque chose. Aller chercher quelque chose. Sachant qu'on fait l'araignée dimanche. Un petit jeu concours, couler avec des grenades, des trucs comme ça. Préparer quelque chose. Oh, puis non, je... peut regarder en faisant... Ah bah c'est sympa Conrad, est gentil. Bah, il devait aller faire à manger, puis en fin de compte il va faire à manger en me regardant. Il est gentil hein. Pour ça je préfère qu'on soit peu et qu'on puisse discuter comme ça, c'est mieux moi je trouve. Hein. Bon, si vous avez des petites idées, si vous n'avez pas, bah, je vais en trouver, hein. C'est pas grave. Hein. Oui, j'ai un artefact sur moi, c'est ça. Bah, ça se passe là-haut. Je vais peut-être ressortir tous les dinos, non? Je ne vais pas les laisser jusqu'à dimanche. Il va falloir faire des bébés. Je vais peut-être commencer à les ressortir. On verra bien s'ils ont gagné quelque chose ou pas. Hein. Ouais, tout à l'heure, Mr. Groot. J'ai l'artefact déjà, voilà. Donc on est pas mal en artefact hein, quand même. Il n'y a pas de cactus dans Cristalline? Sérieux? C'est le cactus qu'il nous faut pour la potion pour pas que les animaux ils nous repèrent dans la grotte sous-marine. Bah pour besoin de scorch alors. Ce serait génial. Ouais, ouais, je veux bien, ouais. Et si on peut débloquer. Si on peut débloquer des choses de cristalline qu'on débloque sur les cartes, ça serait pas mal. Hein. On connaît pas encore. Ah d'accord, ok. Ok, ça marche, Conrad. Bah ouais, ça. C'est comme moi. Moi je vais pas aller voir les vidéos pour pas justement copier. Faire du copier-coller, quoi. Voilà, je sais que, et quand je suis coincé, vraiment coincé, bon, je vais voir un petit peu, puis j'essaye de faire autrement, tu vois, des vidéos. Ah ouais, bah écoute, hein, évite, Conrad, hein, c'est vrai que... Enfin, là on va faire l'alpha, hein, ça peut te servir, hein, parce que moi, j'aurais pas demandé ou regardé des vidéos sur certains boss. J'aurais été en armure et puis en épée, hein, voilà. Heureusement qu'on m'a dit il faut des dinos, sinon c'est pas possible. Hein. Donc après c'est à toi de booster tes animaux, hein. C'est pas simple. Hein. Il y en a qui vont les booster à 35 000 de vie, moi ils ont 30 000, hein. Il y en a ils ont 25 000 de vie seulement. Donc il y en a ils avaient des selles rares. Des sels inhabituels, moi j'ai mis des sels mythiques, donc c'est à toi de faire ta cuisine, hein, ta sauce. Hein. Non, même en regardant certaines vidéos, bon, tu fais ton propre jeu hein, quand même. Hein. Mais ne pas regarder la fin du jeu, évidemment, hein, c'est sûr que. Après, t'as plus d'intérêt. Hein. C'est ce qu'il a dit, il veut pas spoiler. Ouais. Donc je vois pas l'intérêt. C'est comme si tu lisais un bouquin et puis tu regardes la fin. À la fin, il meurt. Bah, je vois pas l'intérêt de lire le bouquin hein, ou regarder le film. Hein. Si tu sais qu'à la fin, il meurt ou je ne sais pas. Donc voilà.
C'est surtout ça qu'on a envie de savoir, s'il meurt ou s'il meurt pas, l'acteur principal. Le reste, on s'en fout. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ce que je pensais aussi, Conrad, hein, pour les boss 19 T-Rex et un UT. Mais à savoir que tu peux prendre un Déodon, tu peux. Je sais que j'ai fait le singe en gamma avec 12 T-Rex seulement, 12 ou 11. Donc tu vois, ça, tout dépend, tout dépend. Après, il faut pas se focaliser sur. Par contre, pour l'alpha, oui, je vais prendre mes 19, hein. Ça c'est clair. Hein. Je vais mettre toutes les chances de mon côté. Mais en gamma, et voilà, avec 12 dinos, tu peux, mais après, ça dépend des capacités des dinos. Hein. Moi, j'étais content quand j'ai fait le singe avec, tout seul, hein, tout seul avec 11 T-Rex ou 12 T-Rex. Hein. J'avais même pas le UT. Hein. Ah ouais, non, j'étais content. Hein. Après, si tu veux mettre toutes tes chances de ton côté, bon, bah oui, c'est sûr. Hein. 19 T-Rex et un UT, je pense que ça devrait pas être mal. Hein. Après, les niveaux, oui, 250, 300 ou plus. Après, ça dépend sur quoi tu les mets. Il faut les mettre dans la vie et l'attaque. Hein. Ça, c'est les deux choses pour les niveaux, hein. C'est clair. Hein. Après, tu fais à ta sauce. Hein. Ouais, donc je voulais commencer à sortir les dinos. Hein. Donc là, on va sortir. Bah, Laura, je viens de la rentrer. Il n'y a que elle que je vais pas sortir. Chimpanzé. Allez, on va sortir chimpanzé. Donc on va mettre les T-Rex ici, ce côté-là. On va voir s'il a gagné des niveaux, je les ai mis hier. Hein. On va voir. 289, tu vois, c'est déjà pas trop mal. Hein. Par contre, l'idée d'attaquer seul avec armure à épée me séduit beaucoup. Bah, c'est ce que je voulais faire. Hein. Je sais que j'ai entendu une vidéo. Non, j'ai entendu quelqu'un qui l'avait fait avec un bazooka. Bon, il a réussi à envoyer deux prunes et après il s'est fait lynche. Hein. Tu m'étonnes. Tu vas devant l'araignée avec ton bazooka, et, oh, je sais pas, il avait une trentaine d'ogives, hein, je crois quand même. Il a pu en lancer que deux, et il est mort. Donc non, c'est ridicule, hein, c'est, faut pas le faire. Hein. En armure avec une épée, faire un boss, c'est même pas la peine. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Non, il a pas pris de niveau, lui. Hein. Il est déjà blindé. Tu vois, là, j'ai 27 000 de vie et 657 d'attaque. Pour moi, pour l'alpha, il est bon, lui. Hein. Pour moi, ça va, c'est pas la peine d'aller à 35 000. Il a une selle mythique, une armure de 105. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Parce que d'origine, elle est à 85, la selle de mythique qu'on avait, le schéma. Et comme j'ai mis 1020% d'artisanat à Gaston, mon autre personnage, j'ai réussi à avoir un bonus de 33% de l'armure. Donc de 85 armure, elle est passée à 105. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et l'armure, donc ça bloque les coups. Hein. Si l'araignée à tape, au lieu de mettre, je sais pas moi, 100 de dégâts, elle va me mettre que 20 par exemple. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est une très bonne selle, hein, Mister Groot. Hein. Génial. Hein. Mythique. Hein. Mais ça coûte cher. Hein. On les a fait hier avec Patou. Ça coûte cher. Hein. Attends, j'ai mon truc là. Mais non, j'ai éteint mon écran, n'importe quoi, rallume-le, attendez. Hein. Bon, petit coup, ça fait soif, hein, mais... Ouais, ça coûte très cher, ouais. T'en as pas encore? D'accord, quand on aura, tu verras, ça change, hein. C'est cool, hein. Voilà. Bah oui, bien, elle a un niveau, on dirait, non? Ouais. Donc, toujours le poids. Hein. Hop, voilà. Ok. Bon, voilà, j'ai déjà mon chimpanzé pour l'alpha pour dimanche. Hein. Lui, il va au charbon, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Alors, je sais pas, tu prendras quoi, toi, Thio, pour l'alpha, l'araignée? Vous y allez en kangourou ou pas? Ouais. Que je sache le nombre de dinos que je prépare pour dimanche. Vous avez des fusils de précision, ça donne 328 de dégâts, je crois, hein, de mémoire. Dans le corps.
Là, il faut savoir que c'est pas les mégatheriums, ce sera les T-Rex. Donc, ils sont plus hauts et peut-être que vous n'aurez pas de visibilité sur l'araignée. Donc, voir ça avec Nicor ce soir ou enfin jeudi, vendredi, samedi, hein, et voir ça avec lui. On va s'en préparer. On aura fait un grand pas. Si on fait l'alpha, ça y est, l'araignée, on n'en parle plus. Hein, c'est fini après. Tout ce qui est trophée, artefact, c'est fini, c'est clos. Hein. Après, on se concentre sur le singe, hein, l'alpha. Donc, il faut le refaire en bêta sans perte. Ouais, c'est le outil que je devais voir. Je pense que ça devrait aller. Je vais peut-être sortir un autre bébé. Dès que le bébé il est en juvénile, je vais sortir un autre bébé. Alors, t'es comment? Il a 7-8. Non, il est toujours pas en bébé. En juvénile. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça va. Donc, tant qu'il est bébé, faut le nourrir directement dans son inventaire. Jusqu'à 10%. Après 10%, il mange tout seul dans la mangeoire. Ça, c'est top. Ouais, encore de la viande. Bon, je vais peut-être sortir un autre bébé, puisque je vais rester dans le coin. Qu'est-ce qu'on va sortir? J'en ai un. Un autre T-Rex, non? Ça, c'est quoi? Ah, j'en ai des. Niveau 254 Smilodon. Ouais. On n'a plus de licorne alors, on les a tous perdus. Bon, on avait le couple et le bébé. Je suis curieux. On n'en a pas revu depuis. Bizarre, mais non. Il va falloir des laisses, hein, je pense. On pourra trouver des laisses. Des laisses? T'es sérieuse? Oh. Oh bah attends, je vais les chercher, je vais les mettre. Ah ouais, attends. Ils seraient dans les armes, non? Ouais, je crois que j'en avais pris une, ouais, t'as raison, attends. Non, non, je l'ai prise, ouais, mais... Ah ouais, j'en ai deux autres. Laisse pour Dino, ouais. Eh ben, on va remettre deux Dino, allez, on y va, hein? Soyons fous. Par contre, je n'ai plus de ma pioche et ma hache mythique. Je sais pas où je les ai mis. Ça, c'est celle. Ça, c'est une arme. Ça, c'est un bébé. C'est que j'aurais... Ah, bah c'est... Ouais, bah c'est Gaston qui l'a. Gaston, t'es où? T'es au fond de la cabane du jardin. Voilà. Gaston, ça, c'est mon autre. Il joue dans l'ombre, lui. Gaston. Bah non, il n'en a pas. Il a son chibi, sa tenue, il a rien sur lui. Ouais. Alors, comment cela se fasse-t-il? On prendra Wistiti aussi, je pense, pour. C'est un bon niveau, la 302. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, je voulais déposer la selle et le schéma. Donc les selles, c'est là. Celle de Pachy. Une selle rare de Parazor. C'est ça. Ouais, rare, c'est bon. Ok. Le pantalon, c'est quoi ça? Rare, allez hop. Saki, où tu vas? Bah, il va aller dans le hall, il va peut-être sortir. Ah, la cuisine est fermée. Ça.